je suis chercheur universitaire en économie et je fais des études de socio-économie sur la société mélanésienne, la cité Kanak, et notamment l'étude des revenus monétaires qui sont générés dans les tribus par le café ou par d'autres activités, même par le salariat. Et là, en ce moment, je tourne sur le secteur, sur Yengen et Point-Dimier, pour l'étude des revenus familiaux du café. Alors, on vous a conseillé de planter du café Oui, sur avec les les, ils sont conseillés parce qu'ils ont Qu'est-ce vu qui le vous a côté conseillé? rendement. Qu'est-ce qui vous a conseillé? Le technicien du café. L'opération café, là. C'est-à-dire qu'il y a un groupement de gens qui s'occupent du café? C'est un groupement, c'est un truc, c'est une structure, financée par l'État. Seulement sur la côte Est, le café, c'est pratiquement une activité de toutes les familles. Donc il est important de savoir à la fois le vieux café, le café des vieux, comme on dit ici, et puis le café soleil, qu'est-ce que ça entraîne comme rentrée monétaire dans les familles. Et est-ce que vous pouvez me rappeler un petit peu l'histoire de ce café, quand c'est qu'il a été introduit C'était pas une production traditionnelle du pays. Elle a été introduite par les missionnaires. Elle a été début du siècle, fin du siècle dernier, début du siècle, et elle a été généralisée, si on peut dire, par une certaine pression des gendarmes. Les gendarmes avaient pour fonction, entre autres, de s'assurer que chaque famille plantait du café. Et ça, c'est le café des vieux. On a beaucoup de plantations ici qui ont 50 ans, même des fois plus. Il y a eu des maladies qui font qu'on a changé les plants dans certains nombres de variétés, notamment l'arabica a disparu, presque disparu. Et plus récemment, il y a eu une politique de reprise de l'activité café fondée sur ce qu'on appelle ici donc le café soleil, c'est-à-dire une autre technique culturelle qui demande plus de travail. Mais qui permet des rendements bien plus importants. Et ça, cette politique remonte aux alentours de 78, au moment de Dijoux. Le pays est quand même assez petit et donc les quantités produites sont faibles. Je crois qu'au plus fort, c'est-à-dire dans la fin des années 60, on produisait 2000 tonnes en tout. Actuellement, on en produit beaucoup moins, mais à l'époque, on en produisait 2000 tonnes. Donc, il n'y a pas de problème d'écoulement. Les gens récoltaient leur café, le séchaient et faisaient transporter à Nouméa, chez Ballan des Barreaux, qui étaient les deux grosses entreprises qui traitaient le café. Et au niveau des prix, alors, est-ce que on donnait le prix d'achat du café était intéressant pour celui qui le cultivait? Je ne sais pas si on peut répondre à cette question ainsi, parce que prix intéressant. Actuellement, si on juge les revenus tirés du café, le café n'est pas intéressant. Parce que le moindre travail salarié représente immédiatement beaucoup plus que ce qu'on peut gagner avec le café. Mais finalement, les gens n'ont pas le choix. Beaucoup de gens n'ont pas le choix, parce que tout le monde ne peut pas être salarié ici, loin de là. Donc, de toute façon, même si c'est pas intéressant, il faut quand même en faire si on veut avoir un peu d'argent. Combien de revenus vous tirez du café actuellement que vous récoltez? Moi, avec le vieux café, je tourne aux alentours de 30 000 à 50 000. Et ça Ah, par la production annuelle. Annuelle. Alors, est-ce que ça vous permettrait de vivre avec votre famille? Vous avez de la famille? Oui. Vous avez des enfants? J'ai une seule. Et ça vous permettrait de vivre sur revenu avec votre famille? Non, pas du tout. Surtout maintenant, on peut pas. On peut dire que une famille avec deux adultes et quelques enfants qui donnent la main, qui ont raisonnablement leur champ de café, quand ils gagnent, je vais donner un maximum, quand ils gagnent 300 000 francs dans une année. C'est vraiment déjà un très très bon score. En général, les revenus familiaux sont aux alentours de 100 et quelques mille francs par an. Alors, sur la compétition entre revenus de l'agriculture et revenus salariaux, il suffit de rappeler qu'un emploi salarié normal,
au minimum est de 50 à 60 000 francs par mois. Ce qui fait que, disons, 2 mois de revenus salariaux compensent, façon équivalente à une année d'efforts productifs sur le café. Alors bon, c'est vrai que pour les champs de café, on ne travaille pas à longueur d'année à plein temps, mais du point de vue du résultat monétaire, c'est vrai que le café n'est pas compétitif. Et votre père, avec le revenu du café qu'il avait là, il faisait vivre sa famille ? Dans le temps, à peu près, dans le temps, oui. Oui, oui et non. Tout juste, hein. Tout juste. Bon, maintenant, on ne peut plus parler de faire vivre une famille avec les hectares que j'ai. Non, c'est pas possible. Et lui, votre père, il avait 2 hectares aussi. Oui. Et il y avait combien d'enfants ? On était 8. Et il avait d'autres revenus ? Non, pas ça, non. Il n'avait que le café. Le café, ça. Et il faisait des cultures sous le café aussi. Voilà. D'une part, les cultures vivrières sont quand même moins importantes. On n'a pas les ignames, on n'en a pas toute l'année. Hein. Il y a une période de soudure qui est longue maintenant et dans laquelle il n'y a plus d'ignames. Donc il faut acheter du riz, il faut acheter plus de choses qu'on en achetait avant. Donc il faut plus d'argent. Donc maintenant, effectivement, le café ne peut pas suffire à apporter les revenus monétaires nécessaires à tous ces achats. Et puis alors les jeunes maintenant, en plus, ils ne se contentent pas seulement de vouloir du riz et bon, ils ont connu un peu la société de consommation, ils veulent un certain nombre de produits qui coûtent de l'argent. Donc c'est pas seulement une comparaison de la rentabilité du café entre avant et maintenant, c'est aussi que le mode de consommation et le mode de vie a changé, commence à changer. Mais est-ce que ce travail de justement salarié, ils vont le trouver ici dans la région ? Ben là c'est une dure dure. Vous en connaissez qui sont partis vers Nouméa par exemple ? Ah oui. Même d'ici on part, c'est loin Nouméa, mais on part quand même à Nouméa. On part quand même à Nouméa. Parce que c'est plutôt ça, vite fait. Hein. Les sous vite fait, c'est pas comme nous. Il faudra passer à 2 ou 3 mois là pour avoir un peu de sous. Là. Et vous croyez qu'ils en gagnent rapidement à Nouméa des sous? Oui, mais ça va pas vite aussi. Ici, un peu sur le même modèle que l'opération café, il y a l'opération fruits qui vise à développer des vergers, la production de fruits et puis la transformation d'ailleurs aussi des fruits, jus de fruits, confiture, etc. Il y a l'opération riz qui démarre pour assurer le développement d'une production vivrière de compléments. Bon, on a fait aussi du bois, l'opération Pinus. Il y a eu donc toute une série d'opérations qui visent à développer au maximum les créneaux agricoles. Mais le problème, c'est que dans tous ces cas-là, les revenus que ça crée sont difficilement comparables et compétitifs avec les revenus salariaux qui sont très élevés sur le territoire. Et donc le problème de la rentabilité, je crois que je suis tout à fait d'accord sur le fait que la notion de rentabilité n'est pas encore dans la tête des gens, mais objectivement la rentabilité des productions agricoles est très faible par rapport à ce que les gens escomptent d'un salaire. Celui qui gagne le plus c'était parce qu'il n'en fait plus, mais en 86 c'était ce même. Donc c'est lui qui avait un café salaire. Oui, il avait un café salaire. Il est toujours. Les flux migratoires, on n'a pas tous les éléments, mais on peut déjà faire quelques calculs. Il y a un premier flux migratoire qui est dans les chiffres directement, c'est une migration de 2000 personnes du nord vers le sud, dans la Grande Terre, et, enfin, chiffre rond 2115, et une migration de près de 400 personnes des îles vers Nouméa. C'est des soldes,
Hein, ça veut dire que, évidemment, le nombre de gens qui ont bougé est bien plus important, mais en termes de soldes, la période 83-89 est quand même marquée par un flux qui continue à être important, presque, ça fait 2500 personnes en tout, qui vont vers le sud. Et en passant, une remarque, c'est qu'on a toujours tendance à dire que c'est les gens des îles qui vont peupler Nouméa. Ben, c'est faux, apparemment, d'après les chiffres, puisque le solde migratoire avec les îles, j'ai dit, c'est un peu moins de 400, alors que le solde du nord, enfin, ce qu'on appelle la province nord maintenant, est de plus de 2000. Donc, c'est vrai, cette image de l'importance des gens des îles à Nouméa est vraie en termes de stock, parce qu'il y a beaucoup de gens des îles qui sont et qui travaillent à Nouméa, mais actuellement, il semble que qu'on soit arrivé à une saturation. Enfin, voilà, il y aurait des études à faire, des analyses à mener. Et puis alors, une analyse plus fine et provisoire est beaucoup, beaucoup plus inquiétante. C'est que si on découpe, non pas en nord-sud, ce qui est le découpage administratif actuel, mais avec un découpage est-ouest, qui colle de beaucoup plus près à la réalité ethnique du territoire, puisque la côte est de la Grande Terre, un peu comme les îles, est très largement majoritairement peuplée de Mélanésiens, 80% à peu près sur la côte est, 79%, 97% sur les îles, alors que sur la côte ouest, Nouméa exclue, la population mélanésienne est minoritaire, 50%. Bon, donc ce découpage est plus pertinent si on veut analyser les phénomènes ethniques. Or, qu'est-ce qu'on observe ? Deux tendances très nettes, l'une d'est en ouest et l'autre de nord en sud. J'ai fait un découpage, une analyse commune par commune. Si on fait un découpage en croisant le nord et le sud, l'est et l'ouest, qui fait quatre zones pour la Grande Terre plus Nouméa plus les îles, et qu'on regarde les flux entre tous ces trucs-là, les flux de migration interne entre tout ça, toutes les zones qui sont à l'est d'une autre envoient du monde. Donc il y a une migration de l'est vers l'ouest, et toutes les zones du nord vont vers le sud. Or, si on, c'est évidemment qu'une concomitance que je signale, mais l'est est plus mélanésien que l'ouest, et on a un flux d'est en ouest, le nord est plus mélanésien que le sud, et on a un flux du nord au sud. Donc l'impression qu'on a, et là il faut être prudent dans l'interprétation, l'impression qu'on a, c'est qu'il y a une polarisation qui s'accentue, et qui s'accentue par un déplacement des gens des zones à forte dominante mélanésienne vers des zones à forte dominante européenne. Alors ça peut être le résultat, la résultante de deux phénomènes différents. Le regroupement des Européens, c'est clair. C'est clair que sur la côte Est, on en reparlera un peu tout à l'heure, sur la côte Est, il y a de moins en moins d'Européens. Sur Thio, qui est donc au Sud-Est, il y a aussi des flux très importants. Thio représente, je ne sais sous les yeux exactement, mais Thio a perdu 25% de sa population. Bon. Donc déplacement, repolarisation des Européens dans leur zone traditionnelle, c'est-à-dire Nouméa et le sud-ouest, disons, c'est-à-dire la partie ouest de la province sud. Mais on a un deuxième phénomène, très probablement, alors quelle intensité relative des deux, c'est l'attraction des Mélanésiens par les zones urbaines, Nouméa, ou les zones, les bourgs européens comme Bouraille ou Bouloupari, sur la côte ouest, qui correspond à la recherche d'un emploi ou une insertion urbaine. Faire le partage des deux n'est pas possible tant qu'on n'aura pas une ventilation ethnique de ces migrations, mais en tous les cas, il y a là quelque chose de tout à fait important.
Alors, bien entendu, un tel phénomène est contradictoire avec les tentatives ou la volonté de rééquilibrage. On est en situation d'accentuation des déséquilibres géographiques et ethniques, ou du croisement géographique ethnique de la localisation de ces populations. Alors, pour finir sur les populations, là encore, à partir de données assez provisoires, on peut apporter quelques précisions par rapport à ce que disaient Alban Bensa et Jean Chesneau concernant les différentes catégories d'Européens. On peut évaluer à peu près à 7500 le nombre de métros ou de oreilles, comme on dit aussi là-bas, c'est plus joli le mot, c'est-à-dire les gens qui viennent de façon très provisoire sur contrat de 3 ans, 6 ans, puisque enfin on a un turnover, je dirais, à peu près stable d'ailleurs, de 7500 personnes qui soit n'étaient pas là en 83 mais présents en 89, soit qui étaient présents en 83 et ne le sont plus en 89. Grosso modo, c'est ça le flux de métro, et il est à peu près stable, c'est-à-dire qu'il a légèrement augmenté entre 83 et 89. Quant à la catégorie intermédiaire, que moi j'appelle de mon côté les Français de Calédonie, pour les distinguer des Caldoches d'une part et des métros, ils se disent Français, plus d'ailleurs que les Caldoches, mais ils sont de Calédonie. C'est plus difficile d'essayer d'en évaluer l'importance. Alban rappelait qu'il y avait 20 000 personnes qui étaient venues aux alentours du boom. Certains sont repartis, ils ont eu des enfants, etc. Mais disons, l'un dans l'autre, puisqu'il y a environ 17 000 personnes qui sont pas nées, qui sont nées hors du territoire. Il y en a 7500 qui sont des métros. Il y en a donc au moins 7500 qui restent de la vague des années 60. Mais il y a aussi les enfants de ceux-là. Donc on peut sans doute estimer à 10-12 000 au minimum ceux qui restent de cette population venue, disons, faire du fric. Et puis peut-être, comme le disait Alban aussi, se protéger d'un certain nombre de difficultés qu'ils avaient en France dans les années 60. L'un dans l'autre, sur la population totale européenne, 1 sur 2, pour être très schématique, est un caldoche, c'est-à-dire quelqu'un de réellement ancré, qui a, même si elles sont fragiles, ses racines sur place. Bon, comme on a quand même peu de temps, mais on pourra rediscuter, il y a... Alors bon, sur les différences socio-économiques des populations, bon, j'insiste pas... le taux d'activité hors agriculture des Mélanésiens est 2 fois plus faible que celui des autres ethnies. Je dis bien des autres ethnies. Bon, si on regarde les professions de ceux qui sont actifs, enfin qui sont salariés, par exemple salariés aux professions libérales, bon, par exemple, on constate qu'un actif européen a 10 fois plus de chances d'être cadre classé dans la catégorie des intellectuels qu'un Kanak. Alors qu'ils sont à égalité, je dirais, pour être ouvrier. Bon. Donc, enfin, mais là, j'enfonce une porte ouverte sur les inégalités fondamentales du pays. Alors, on a là déjà un premier niveau, la marque d'une société qui est quand même nettement différenciée, nettement segmentée, si je puis dire. Alors, en analysant maintenant un peu plus les structures économiques proprement dites, mais enfin, les structures économiques, elles se font avec des hommes. Donc, il faut toujours bien repartir du positionnement des différentes catégories sociales et humaines. En analysant donc les structures économiques, on va essayer de dégager les problèmes du développement tels qu'ils se posent aujourd'hui. Alors, le problème du développement, c'est un peu en ce moment le grand thème. C'est le grand thème parce que finalement, les choix qui ont été faits lors des accords de Matignon sont que dans les 10 ans à venir, sur le terrain du développement, il faut que chaque camp fasse ses preuves. Hein, et que le meilleur gagne, à la limite, et que le meilleur emporte le morceau, je dirais, au travers de cette bataille. Alors, ce n'est pas que le thème du développement soit nouveau, qui ne date pas de 1988. À la limite, quand on a voulu la colonisation libre feuillet visant à développer... Un colonat rural, c'était déjà du développement, d'une certaine façon. Plus récemment, on en reparlera peut-être par la suite, plus récemment avec la politique de promotion mélanésienne que M. Levallois connaît bien, puisqu'il participait de cette bataille, visait aussi à assurer un développement. Mais ce qu'on peut observer, c'est que, quand on regarde le système économique actuel, c'est que jusqu'à présent, ça a toujours foiré. Je veux dire, il n'y a pas eu, aussi bien la colonisation rurale n'a pas laissé de traces extraordinaires,
Beaucoup de gens se sont découragés, et ce qui est resté de la colonisation rurale, c'est pour l'essentiel un élevage extensif qui n'est pas quand même le signe d'un extraordinaire, d'une extraordinaire maîtrise économique. Et ce qui reste de tous les efforts faits par les organismes divers de développement qui ont fonctionné sur le territoire, c'est aussi relativement mince et les bilans sont souvent faibles. Alors, il y a à ça, à ces difficultés, deux grandes catégories de raisons, à mon sens. La première catégorie tient aux structures de la société kanak, et la seconde difficulté tient au grand rapport économique qui régissent le système économique qu'on appellera marchand, celui de l'économie moderne, enfin moderne entre guillemets, parce que ne porte pas forcément une connotation positive. Alors sur l'économie, et c'est la combinaison de ces deux blocages, ces deux difficultés qui, à mon avis, fait que le problème du développement est aujourd'hui non pas un pari impossible, je pense qu'il y a des possibilités, mais en tous les cas, quelque chose qui va exiger extraordinairement d'imagination et probablement quelques mesures énergiques. Alors, sur le premier point, c'est-à-dire les contraintes propres au monde kanak. Il y a une affirmation qui est fréquemment faite, il n'y a pas d'économie kanak. J'ai relevé l'un des plus beaux fleurons de la pensée calédonienne, Bernard Ponce, disait, il y a quelque temps, quand il était aux affaires, qu'il n'y a pas de structure économique en brousse, ce qui lui permettait de justifier que tout l'argent aille à Nouméa. Bien. Alors, c'est vrai, c'est faux. C'est vrai si on considère structure économique égale système marchand, grande entreprise, capitaliste, etc. C'est faux parce que toute société, pour vivre, a une économie. Alors, quelle est cette économie actuelle du monde kanak? Grosso modo, elle est l'articulation de... Enfin, elle n'est pas une articulation, elle, sur un socle qui est ce qu'on appelle l'économie domestique, se développe un certain nombre de ramifications avec le système marchand, avec l'extérieur. Alors ce socle, évidemment, soit c'est un truc mythique, c'est bon pour les anthropologues, quoi, qui vont aller voir à la loupe les résidus de je ne sais quel archaïsme, soit c'est une réalité. Ça fonctionne encore, ça joue un rôle, et... Bon, les travaux d'anthropologie économique ne sont pas extrêmement développés, mais il y en a. Ils ont été faits par Kohler, par des géographes comme Doumange, etc. On a quand même des éléments. Et ces éléments établissent assez clairement que ce socle, il existe bien réellement. Il existe parce que, d'abord, une partie non négligeable de la population kanak continue à assurer une partie non négligeable de leurs besoins de cette façon-là, par l'autosubsistance. Il existe aussi dans la tête des gens. Et donc, en retour, existe dans la réalité, parce que pour une partie importante de la population kanak, y compris celle qui est à Nouméa, qui travaille, etc., cet espace-là, cet espace domestique, reste vital, à la fois parce qu'historiquement, il y a eu le boom, on leur a dit il faut partir, et puis après il y a eu la récession, on leur a dit il faut rentrer, mais rentrer où? Heureusement que, effectivement, l'ensemble du système ne s'était pas désagrégé. Et puis, vital aussi, parce que culturellement... Si les Kanaks sont parfois attirés, sont souvent attirés par le mode de consommation moderne, la vie marchande, etc., ils rencontrent quand même dans cette relation des facteurs d'exclusion très forts qui sont soit d'ordre idéologique, soit d'ordre économique, qui sont liés notamment à toutes ces inégalités. Alors, l'économie domestique Kanak, on pourrait la voir sous différents aspects, pour montrer son identité et montrer d'où proviennent un certain nombre de difficultés dans la mutation de la société kanak vers le développement. Alors je ne ferai qu'énumérer quelques points d'approche possibles qui montrent la spécificité de cette économie mélanésienne, cette économie domestique. La première, à mon avis, la plus frappante, c'est que le rapport social prime l'économique. Et pour illustrer ça, je donnerai un exemple qui est observable à de nombreuses occasions là-bas, c'est les coopératives. Les coopératives sont censées être des organismes économiques pour assurer justement des projets, des actions de développement, etc. Ces coopératives le font d'une certaine façon. Mais au niveau de comment les gens le vivent, comment les Kanaks le vivent, ils le vivent d'abord comme un lieu de socialisation, comme un lieu de rencontre, comme une sorte de nouveau lieu de relations sociales, les autres étant les lieux traditionnels, les lieux coutumiers traditionnels. Et en somme,
les éléments de culture traditionnelle, je dirais, réinvestissent un lieu qui a été fabriqué de l'extérieur. Enfin, je veux dire, c'est parce que nous, on leur a dit, il faut faire des coopératives. Hein. Eh bien, ils disent oui. Surtout qu'on leur a dit, vous aurez du fric si vous faites des coopératives. Donc, ils font des coopératives, mais ils réinvestissent ce lieu d'une démarche, d'un contenu qui est finalement souvent très proche de ce qu'ils font au niveau d'un conseil des anciens, etc. Donc, la primauté du social. Deuxième angle d'attaque, le rapport à l'argent. Je ne parle pas de l'argent kanak, hein, de l'argent des tresses de poils de roussette et de coquillages. Je parle de l'argent marchande. Bon, bien entendu, on ne peut pas rentrer tout le monde exactement. Il y a des inégalités d'approche chez les gens. Les gens ne sont pas tous faits exactement sur le même mot. Mais dans l'ensemble, l'argent est une abstraction. Mais je dirais plus exactement, c'est une abstraction de l'abstraction. C'est une abstraction, parce que l'argent, c'est toujours une abstraction. C'est quelque chose qui est équivalent à des marchandises, qui permet d'acheter des choses. Seulement, je dis chez les Kanaks, c'est une abstraction de l'abstraction parce que là-bas, le rapport marchand lui-même est quelque chose de lointain, de mal connu, mal maîtrisé, et dans lequel, parce que souvent, il n'y participe pas. Donc finalement, l'argent en tant qu'abstraction d'un rapport marchand, le rapport marchand étant lui-même quelque chose d'un peu étrange ou étranger, cet argent ne signifie pas grand-chose, et notamment la quantité d'argent ne signifie pas grand-chose. Et c'est vrai qu'on est des fois dérouté sur le maniement de l'argent dans le monde kanak, je pense notamment dans le monde en brousse, et je crois qu'il reflète cette abstraction. Dans bien des cas, ce qui compte, c'est le produit, c'est pas l'argent. Et là, on peut observer aussi pas mal de choses sur le terrain. Quand des agents de développement suggèrent à des Kanaks d'arracher des plantations, de consacrer des terrains qui jusqu'à présent servaient pour du vivrier, alors on leur dit, vous planterez plus d'igname, vous planterez plus de tarot. Bon, c'est surtout d'ailleurs des champs de tarot qui sont récupérés. Vous allez faire du café. C'est vrai que rationnellement, d'un point de vue économique, c'est probablement plus rentable. Seulement, d'un côté, on demande d'abandonner une production qui est concrète, hein, des objets, qui en plus, dans bien des cas, ont une fonction coutumière importante, pour avoir de l'argent. Or, le rapport que nous, peut-être, nous savons quantifier entre un tas d'igname égale temps et puis tant de touques de café, ce rapport marchand-là n'est pas spontanément perçu dans le vécu d'un canard. Alors que, par exemple, il sera tout. Enfin, je ne veux pas du tout dire que c'est le problème de ne pas savoir compter. Que, par exemple, si du café a été récolté et qu'un colporteur propose 5 francs de plus à la touque qu'un autre, eh bien, le calcul économique sera parfaitement fait. Mais parce que là, il s'agit de comparer des choses comparables. Hein, 5 francs de plus pour la même chose. Mais ce qui provient de la vie, de l'économie domestique et ce qui provient de l'économie marchande, le pont n'est pas fait, en tous les cas, spontanément. Les gens d'ici n'ont pas la notion de rentabilité. Hein. Ils n'ont pas cette notion. Bon, il faut le faire parce qu'ils nous disent de le faire. Il faut l'entretenir parce qu'ils nous disent de l'entretenir. La notion du temps, du engain, ils ne savent pas. Ils savent. Nous, quand on a récupéré la terre, on a d'abord penser à l'homme. On n'a pas pensé à la mise en valeur. Enfin, on n'a pas cette notion quand on avait revendiqué les terres. Nous, c'était plutôt, on en revendique parce qu'on a nos enfants, on a nos. Ils sont déjà beaucoup et c'est pour s'installer. Et après, est arrivée la récupération de terre, là, est arrivée cette question de mise en valeur. Parce que je crois que c'est ça la question principale, c'est que dans bien des cas, entre le moment où la terre est revendiquée et éventuellement attribuée, et sa mise en valeur, il y a un changement de motivation. Hein. La motivation de départ, c'est récupérer des terres qui sont la terre des ancêtres, la terre dont on est issu, etc. Et il n'y a pas au départ une préoccupation économique. Et donc tout le problème, c'est le passage d'un type de préoccupation
qui n'est pas économique, qui est humain, qui est social, a une préoccupation à caractère économique. Et c'est cette mutation qui finalement n'est pas facile à faire, qui ne se fait pas surtout du jour au lendemain. Je crois que c'est le facteur temps qu'il faut surtout mettre en lumière, hein, je crois que... Il y a un certain nombre d'endroits où... c'est toi qui employais cette expression sur le bétail qui est sur la terre que vous avez récupérée. Vous occupez le terrain avec du bétail. Hein, je crois que c'est la formule que tu employais tout à l'heure. Oui, c'est ça. C'est... Bon, monsieur l'a bien précisé ce que je voulais dire. Alors, ce serait complètement mythique de croire que cette économie domestique vit comme un isolat social, économique, par rapport au reste. Cette économie domestique est articulée, reliée à au moins de trois façons, à ce système marchand dont on va parler à la suite, c'est-à-dire notamment tout ce qui est centré autour de Nouméa. Alors rapidement, les trois grandes catégories de relations qu'il y a, c'est les relations de salariat. J'ai dit tout à l'heure le taux d'activité, il est moitié moindre que celui des Européens, ce qui veut dire que du point de vue de l'emploi, au sens moderne du terme, au sens occidental du terme, il y a beaucoup de chômeurs, Kanak. En fait, ils ne se perçoivent pas toujours de cette façon-là. Donc il y a les revenus salariaux, il y a les revenus de la production agricole. Ces revenus de la production agricole, les différentes catégories de production sont plus ou moins présentes, un peu d'élevage, du café, la pêche, les fruits et légumes. Bon, les dénombrements qu'on peut faire de revenus tirés de ces activités sont quand même méritent d'être soulignés. Sur un élevage bovin à Cua, on obtenait... un revenu familial de l'ordre de 100 000 francs par an, 100 000 francs CFP par an. Je donne tout de suite un chiffre de référence. Le SMIC mensuel là-bas est à 60 000 mensuel. Bon, le revenu d'une activité bien menée d'élevage rapporte environ 100 000 francs par famille et par an. Sur le cas de QA et sur une autre tribu où il y a un élevage. Un GIE, mais qui est beaucoup plus petit, là c'est purement de l'autoconsommation, donc le revenu est égal à zéro. Deuxième quantification, parce qu'il faut savoir quand même de quoi on parle quantitativement quand on dit ces revenus-là, les revenus de l'agriculture, le café, les plus gros producteurs, les familles, je parle au niveau d'une famille, les plus gros producteurs, quand ils ont gagné 300 000 francs, c'est bien, dans l'année, c'est bien beau, mais c'est le travail très dur, là je prends un exemple précis à Werap Yengen, d'un couple qui travaille très fort et qui se fait aider au point de récolte par 3 ou 4 personnes. Hein, ça fait 300 000 francs CFP dans l'année. La moyenne, en tout cas sur Point-Dimier et Yengen où j'ai fait les comptes, ça fait moins de 100 000. Enfin, 100 000 ou un peu moins de 100 000. La pêche, je vais pas faire la litanie des nombres, c'est à peu près le même ordre de grandeur. La tribu d'Unjo en 87, pour 30 pêcheurs, avait dégagé un revenu global de 10 millions pour l'année, pour 30 pêcheurs. Vous voyez, ça se chiffre en un petit nombre de centaines de milliers de francs. Et là, je ne prends pas des exemples, je prends des exemples de choses qui marchent plutôt bien. Hein? Donc, a fortiori, c'est plutôt la norme supérieure. Bon, sur les fruits et légumes, c'est en général vraiment pas grand-chose, même à la CACOP de Puebo, qui est une coopérative assez innovante, comme on peut dire là-bas. Je ne peux pas quand même terminer cette partie, en tout cas, des flux de monétarisation, l'argent qui rentre dans le monde kanak et qui le lie au système moderne, sans parler, en fait, quand même d'une autre catégorie de revenus. C'est tout ce qui est transfert. Transferts sociaux ou transferts privés. Les transferts privés, c'est le retour d'argent qui vient en tribu
parce qu'il y a quelqu'un de la tribu qui travaille à Nouméa et qui vient apporter un peu d'argent ou qui vient apporter des produits. Et les transferts publics, eh ben, c'est les différents systèmes sociaux, bourses, allocations chômage, etc., qui sont d'ailleurs souvent réservés, enfin les bourses ou les allocations familiales réservées évidemment aux salariés, donc ça touche des fois peu de gens. Puis il y a une catégorie que je classe, enfin un cas que je classe dans cette catégorie, c'est les TUC de là-bas, c'est-à-dire les jeunes stagiaires du développement. Alors c'est un problème très compliqué, je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter cet après-midi quand on parlera du problème des jeunes là-bas, mais c'est un problème compliqué parce que... C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont un peu livrés à eux-mêmes. Les TUC, les JSD que Jean-Marie Tjibaou avait beaucoup poussé à gonfler. Mais ça pose un problème colossal parce que, compte tenu des rapports de valeur dont je parlais tout à l'heure, une famille gagne quoi, 100-200 000 francs par an pour faire des produits agricoles. Un vrai salarié gagne 100 000 francs par mois, disons, grosso modo, et plus, bien souvent. Et les JSD, eh bien, ils gagnent entre 34 000 et 45 000 francs par mois, pendant 6 mois, en travaillant à mi-temps. Et deux chiffres, juste, pour ne pas vous abreuver de choses, rapportés à la population française, hein, multipliés... par le rapport entre la population de là-bas et d'ici, il y aurait en France 1 100 000 TUC. On en est quand même très loin. Je ne sais pas combien on est, 200, enfin, combien il y a de cette catégorie, enfin de, un petit nombre de centaines de milliers. Et la dépense, enfin l'argent qui a été insufflé comme ça en 89, s'élèvera à environ 500 millions de francs CFP. 500 millions de francs CFP, pour avoir, ça ne veut rien dire comme ça, c'est 5 fois le revenu total de la production de café de l'année. Vous voyez l'ordre de grandeur des choses. Alors, à la clé de ça, vous avez quoi? Vous avez effectivement tout le débat sur l'assistanat. Hein? Dans l'ordre d'importance des sources de revenus, vous avez les salaires, vous avez le transfert, et tout en bas de l'échelle, mais avec vraiment un grand trou entre les deux, les revenus tirés de l'activité productive dans les campagnes, dans les tribus. Alors, sur les structures... Maintenant, donc, voilà un peu cadré à la fois les caractéristiques et les limites du système mélanésien. Vu le temps dont je dispose, je n'ai pas le temps de développer sur l'économie marchande de Nouméa. J'en rappellerai donc simplement les grandes conclusions qu'on tire de cette analyse. Bon, je crois que maintenant, et le livre de Jean-Luc Mathieu montre ça très bien, maintenant les choses sont quand même assez établies pour toute personne qui veut voir la réalité. L'économie marchande de Nouméa est à la fois, donne l'impression d'un hyper-développement et d'une grande richesse, et en même temps est une quasi-absence d'économie. Pour le coup, je renverserai la logique de Ponce, parce que puisqu'on se prétend marchand, eh bien, respectons les lois marchandes. Et de ce point de vue-là, l'économie nouméenne, l'économie européenne, a à peine droit au terme d'économie. Un petit calcul pour quand même situer les choses. Le revenu par tête tiré de la Nouvelle-Calédonie, en Nouvelle-Calédonie pour toute la population, compte tenu des écarts considérables de revenus, on verra que c'est un peu plus compliqué encore. Mais les revenus par tête situent la Nouvelle-Calédonie au 12e rang mondial en 1986, classement Banque mondiale. Enfin, ils ne donnent pas la Nouvelle-Calédonie dans le classement, mais en faisant le calcul par la même méthode, on trouve ça. Et je me suis livré à un petit jeu qui est un petit peu faux au point de vue scientifique strictement, mais ça parle. Si on tient compte d'une enquête qui a été faite en 81, l'enquête socio-économie sur le territoire, qui permet d'avoir une certaine approche des revenus des différentes catégories, zones urbaines, zones traditionnelles, européens, mélanésiens. Si on tient compte de ça et qu'on fait le calcul du revenu par tête pour un Européen de Nouméa, on arrive à 18 300 dollars pour l'année 86, ce qui place la Nouvelle-Calédonie en troisième position mondiale, juste après les USA, qui sont à 18 530 dollars, et à 50% de plus que la France métropolitaine. Bon, c'est un exercice, mais ça montre, si vous voulez, bien, cet premier aspect de l'économie marchande de Nouméa, c'est que elle est relativement riche.
Autre versant de la chose, vous doutez que ce n'est pas la conclusion générale que c'est une économie saine et riche. L'autre versant des choses, c'est que c'est une économie qui n'a pas de base productive. C'est une économie qui, pour 72%, si je n'ai pas le chiffre exact, 72% repose sur du tertiaire, public ou privé. Entre les fonctionnaires, ce qui représente 30% de la richesse qui circule, je signale qu'en France, c'est 18%. Le poids, si vous voulez, de la fonction publique, du secteur dit non marchand, est à peu près presque double de celui en Nouvelle-Calédonie par rapport à la France. Et si grosso modo l'agriculture, c'est la même chose, les commerces et services marchands, c'est-à-dire le tertiaire, représentent 61% en Nouvelle-Calédonie contre 49% en France. Vous voyez bien la distorsion considérable du système, et encore, heureusement qu'il y a le nickel. Le nickel à lui seul représente environ 15% du produit intérieur brut, c'est-à-dire les deux tiers de l'ensemble de l'activité industrielle. Alors, en résumé, c'est un pays où une partie au moins de la population a un très haut niveau de vie, mais c'est un pays dont la base productive est quasiment nulle. L'agriculture représente 2% du PIB. Donc, on consomme beaucoup, on ne produit pas beaucoup. Résultat, première conclusion, on a un système d'importation qui est extrêmement vigoureux, d'où ce premier aspect de l'économie calédonienne, c'est d'être une économie d'import. J'ai refait les calculs pour 86, puisque maintenant on a les résultats des comptes économiques de 86. 81% de la consommation finale, totale, c'est-à-dire pas les choses qui servent pour faire fonctionner les usines, mais la consommation des ménages et de l'administration, 81% est importée en Nouvelle-Calédonie. D'où l'importance du secteur commercial. Mais un secteur commercial qui, bon, est surabondant, c'est un peu compliqué à expliquer, mais ça ne veut pas dire que les gens font forcément beaucoup de fric, chacun individuellement, parce qu'il y a énormément de commerçants, et ils se marchent un peu sur les pieds, il y a des coûts qui sont anormaux, etc. Mais en termes de charges pour la société, le commerce est épouvantablement lourd en Nouvelle-Calédonie. Il n'empêche que le système de marge est très favorable là-bas, et les marges là-bas sont environ deux fois, en moyenne deux fois à trois fois supérieures aux marges métropolitaines. Alors, faible production locale, haut niveau de vie, importance de l'importation. Mais encore faut-il payer, puisqu'on produit peu. C'est pas la production locale qui est capable de générer les revenus. Il faut bien quelqu'un qui alimente la pompe. Eh bien, on a en somme le deus ex machina, je dis ça dans une chapelle, mais c'est l'État qui arrive et qui amène l'argent. C'est-à-dire qu'on trouve là le lien qui existe entre le fait que c'est une économie faiblement productive d'importation, riche, le lien de tout ça, c'est l'État qui paye, c'est l'État qui finance. D'où le deuxième aspect majeur de l'économie calédonienne, c'est d'être une économie administrée ou une économie de transfert. Alors les transferts publics sont à la fois, dans l'absolu, très élevés. Ils représentent 47 milliards de francs CFP, ce qui est pour l'année 86 atteint 34%, représente 34% du produit intérieur brut. Dire que, et je donnerai l'évolution historique parce que ça c'est vraiment fondamental, plus d'un tiers de la richesse qui circule sur le territoire est la contrepartie de transferts unilatéraux, je dirais, venu de l'extérieur, venu de la métropole. Donc, ça représente un tiers du PIB, et l'ensemble de la dépense publique, de ce qui est payé pour les fonctionnaires, les achats, etc., représente en 86 55% de l'ensemble de la dépense nationale, si je puis dire. Donc c'est vraiment absolument considérable comme poids du secteur public. Alors, ce qui est très, très grave, ce n'est pas seulement les 34%, c'est l'évolution dans le temps. Parce que je terminerai sur cette question du système marchand par l'évolution historique des choses. Il y a plusieurs indicateurs possibles pour voir l'importance de cette économie de transfert. Peut-être le plus intéressant, c'est le rapport dont je parlais tout à l'heure, les transferts sur le PIB. Avec des documents qui sont de fiabilité variable, mais enfin, grosso modo, les ordres de grandeur sont bons. Ce rapport qui est de 34% actuellement
était en 1960 de 7,4%. 7,4% en 1960. Et alors, par palier, on est passé de 7 à 34. Et ce qui est très intéressant, et là c'est un travail d'histoire économique qu'il faudrait faire, on manque totalement de vrais travaux d'histoire économique. On a des papiers, on a des choses, mais on manque complètement de travaux. Ce qui serait extrêmement intéressant, c'est de voir les corrélations existantes entre ces poussées successives des transferts publics, du poids des transferts publics, et les événements politiques. Or, on peut quand même constater que à chaque nouvelle étape où il y a une crise en Nouvelle-Calédonie, l'État intervient, et pour gagner la paix, si vous voulez, il paye. Il fait des promesses d'abord, et puis il paye. Et, par exemple, un palier très important dans le ratio de dépenses publiques, il est entre 75 et 79, puisque là, ça passe de 14 à 23%. Vous voyez, le saut qui est considérable. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? La politique d'Ijoux, la politique de promotion mélanésienne, la politique de répondre à l'émergence de la revendication indépendantiste par « on va faire du développement, on va s'occuper de vous ». Dernière remarque quand même, c'est que si les transferts publics vers la métropole, vers la Nouvelle-Calédonie sont forts, les occasions d'investissement sur le territoire sont faibles puisque c'est un pays peu productif, les gens n'ont pas beaucoup envie en général de prendre des risques industriels, donc on investit, les profits, les bénéfices investissent peu et donc l'argent se réexporte. Donc machine de transformation, moi je la résume comme ça, c'est un système de transformation de l'argent, d'argent public en argent privé. L'ordre de grandeur, c'est que un tiers des contreparties des transferts publics se replacent à l'extérieur. Les deux autres tiers servant finalement à payer la facture du déficit commercial. Dans un système qui aussi artificiel, dans lequel les niveaux de revenus n'ont pas de rapport avec ce qu'on appelle la productivité, c'est-à-dire ce qu'on produit réellement, dans un tel système, la possibilité de développer des actions de développement est rendue extrêmement difficile. D'autant plus difficile qu'en plus c'est un petit pays et que les marchés sont petits et que donc pour rentabiliser des actions économiques, eh bien il y a une difficulté supplémentaire par rapport à la possibilité de le faire dans de très grands pays. Alors, le problème tel qu'il va maintenant se poser pour le développement, c'est du côté des Kanaks, le débat est ouvert aujourd'hui. Le débat est ouvert sur plein d'aspects. Pendant, malheureusement, un an et demi, après les accords Matignon et les différents drames qui l'ont suivi, l'état d'esprit n'était pas là pour permettre de débattre en profondeur de ces problèmes. Aujourd'hui, les choses avancent quelque peu, puisque coup sur coup, là, dans les quelques derniers mois, la province des îles d'abord, puis la province nord a adopté un code de développement, c'est pas le même, et plus récemment, bon, il y a eu une série d'opérations, vous savez, l'opération, la société minière de la Fleur, un débat, et moi j'interviendrai pour terminer que là-dessus, le débat sur quel type de projet avoir, comment construire le développement pour rééquilibrer le territoire, puisque c'est l'équation posée, c'est vous, Kanak, débrouillez-vous pour vous développer, vous ferez ainsi la preuve que vous avez raison de vouloir l'indépendance. Le raisonnement est un petit peu serré là, mais c'est finalement un peu ça. Alors, le débat sur le développement renvoie à des tas de choses. Il renvoie au problème du projet de société. Et là, pour l'instant, ce débat n'est pas encore largement développé dans le monde kanak. Et il renvoie aussi à un certain nombre de voies et de cheminements pour aller vers cette société nouvelle. Alors, pour l'instant, ce qui est en discussion, c'était petit et grand projet. Alors, petit et grand projet, ça veut dire quoi? Ça renvoie à deux grandes catégories de types d'actions, de types d'acteurs possibles pour le développement. Les petits projets,
vous savez ce que c'est, un individu, une famille, éventuellement un tout petit groupe qui met en place une action économique de développement. Et le code de développement de la province Nord distingue deux types de projets de ce type, enfin deux types de petits projets, les projets à but non lucratif, qui sont définis comme des projets d'origine individuelle, familiale ou collective, à caractère non marchand, social, sanitaire, sociaux, éducatif, culturel. Vous voyez, c'est très large. C'est tout ce qui a à voir avec les conditions de vie des gens. Et puis les micro-projets à vocation marchande, qui là sont plutôt produire un certain nombre de choses pour les vendre. Et le code de développement fait, on n'a pas le temps de détailler, mais fait de grands progrès par rapport à ce qui s'était fait antérieurement dans les organismes de développement, FADIL, ODIL, dans la mesure où on tire les leçons de la façon de faire ces petits projets antérieurement. Les deux grands dangers de ces petits projets, c'est les effets de mode. Mon voisin fait un poulailler, je fais un poulailler. Puis on les avait d'ailleurs encouragés parce qu'on avait distribué des prospectus standards. Comment faire votre poulailler, vous savez? Alors tout le monde disait, bon, je vais faire mon poulailler. Donc c'est les effets de mode. Et deuxièmement, la deuxième difficulté, c'est la chasse aux primes. Hein, puisque c'est subventionné, il y a une démarche, ma foi, qui fait souvent, qui nuit souvent évidemment à l'image de la communauté, mais c'est d'aller chercher les primes à tout prix. Et là, de ce point de vue-là, le code de développement de la province Nord prend des mesures pour éviter ça. Alors, petit projet, grand projet. Les petits projets ne posent pas de problème. Tout le monde est d'accord pour en faire. Certains sont sceptiques sur leur efficacité économique, mais en tout cas, tout le monde est d'accord pour en faire. Sur les grands projets, en revanche, le débat est beaucoup plus ouvert. Récemment, l'Union calédonienne, puis Paul Néaoutine, ont pris position sur ce sujet, et c'est vraiment la marque de l'ouverture de ce débat qui est très important. Un comité directeur de l'UC a pris position en disant, je cite François Burke, « Pour nous, les grands projets ne sont pas contre les petits, ils doivent être considérés sous l'angle économique, politique, culturel et social. » C'est-à-dire, c'est pas seulement un enjeu économique, hein, il y a bien l'enjeu politique. Paul Néaoutine, donc le nouveau président du FNKS, défend aussi ce point de vue, mais je dirais en le nuançant, et en signalant notamment qu'il faut beaucoup de rigueur. Et c'est tellement important que je vais quand même vous citer juste une phrase de ça. Les grands projets peuvent être intéressants, mais la rigueur est nécessaire. Le mot rigueur dans le texte en question, il y revient 10 fois, hein, donc il n'est pas là par hasard. Mais la rigueur est nécessaire parce que les économies dans le monde, on en connaît un certain nombre de pays qui, pour les mêmes raisons que je viens d'indiquer, s'ouvrent aux grands projets et donc aux grands investissements. Mais ensuite, il se trouve qu'ils n'arrivent pas toujours à maîtriser ces grands projets et tous les flux dont ils font l'objet, à les maîtriser pour qu'ils apportent quelque chose à la consolidation d'une économie locale que nous voudrions indépendante. Donc ce sur quoi insiste Paul Néaoutine, c'est il ne suffit pas de se lancer dans les grands projets, il faut qu'ils s'insèrent dans une démarche qui en permette la maîtrise. C'est clair que nous, notre évaluation, elle se fera aussi au regard de la demande de décolonisation, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de s'arrêter uniquement aux enveloppes financières et au nombre de ceci ou de cela qui a été lancé. C'est ce que ça amène du point de vue préparation du pays à l'indépendance et une réelle prise en compte des différentes populations, puisque c'était l'esprit dit des accords de Matignon. Problème qui n'est pas spécifique à la Nouvelle-Calédonie, c'est le problème il fait référence à un certain nombre d'autres pays, à un certain nombre d'autres expériences. Il faut dire que les Kanaks, aujourd'hui, sont amenés à se poser le problème du développement, 20 ans après que toute une série d'expériences, enfin, après 20 ans ou plus même, d'expériences dans différents pays. Et je crois que très, très lucidement, ils en tirent les conclusions. Alors, sur les grands projets, je vais juste les énoncer. Il y en a un qui est réglé, c'est l'affaire de la mine de la Fleur, enfin, il est quasiment réglé. Il y en a un qui est en route, qui est un projet à caractère plutôt social, enfin pas strictement économique, c'est le grand pôle urbain est-ouest, Point d'Imier, tout haut, connaît Point Bout, qui est l'idée de créer un grand pôle urbain contrebalançant Nouméa. Ce qui n'est pas réglé,
C'est l'avenir du grand projet de Népouy, port en eau profonde, qui suscite de très âpres discussions et sur lesquelles les positions sont loin d'être rapprochées. Si ça doit fonctionner au consensus, ce n'est pas tout de suite, à mon avis, que Népouy verra le jour. Et puis, une dernière catégorie de projets qui, je dirais plutôt, qui sont pour l'instant rejetés, c'est les grands projets hôteliers, je parle en zone mélanésienne. Il y a eu une mode à une époque, et pour l'instant, c'est largement reporté à plus tard, parce que l'impact de ces projets sur l'environnement risque d'être très grave. Donc, ces problèmes du développement, que j'ai malheureusement pas pu détailler autant que j'aurais voulu, renvoie finalement aussi à un choix politique, parce que toutes ces actions, petits et grands projets, c'est ce que j'appellerais un peu la décolonisation par le bas. S'engager dans une action de développement pour créer les conditions d'un rééquilibrage qui lui-même va être la source d'une décolonisation. Mais est-ce que ce n'est pas un pari difficile à défendre? Est-ce que finalement la nécessité de réformer le système n'est pas une condition préalable du développement? En tous les cas, c'est ce que dit Paul Néaoutine, qui tout en s'engageant, parce que par réalisme et pragmatisme, c'est dans le cadre dans lequel on est, tout en s'engageant dans cette politique, disait récemment, le développement ne peut être effectif que dans le cadre de la décolonisation. Donc nous, notre demande, ce qu'on va redire, hein, c'est que c'est à travers ces chantiers-là, hein, qu'on va voir si oui ou non l'esprit du rééquilibrage est bien partagé par tout le monde, ou est-ce que il s'agit seulement d'un habillage. Alors habillage, pourquoi? Ben parce que beaucoup de choses se font avaler, hein, avec l'étiquette accord de maintenir le consensus. Mais ensuite, dans la réalité de la mise en œuvre, on voit bien que l'impact n'a pas du tout les effets attendus dans le discours du principe. Est-ce que vous pouvez, vous, avoir une influence sur les décisions qui sont prises au niveau territorial, disons? J'ai aucun pouvoir hiérarchique sur quoi que ce soit. L'influence qu'on peut avoir en tant que chercheur, c'est en établissant un certain nombre de constats à ceux qui décident d'en tenir compte, et s'il y a des recommandations qui peuvent sortir de ce genre de travail, de les prendre en compte.